le matin. Je me rappelle de l'exposition de 1900. Le trottoir roulant. Un vrai souvenir. Et je ne sais pas comment on était monté, il y avait sans doute un escalier, je ne sais pas. On arrivait, alors il y avait trois pistes, suivant la marche, plus ou moins. Mais, et à l'entrée, ça, il y avait un grand Sénégalais en uniforme. Et mon frère, à l'époque, il avait 8 ans. Alors le Sénégalais lui avait donné une poignée de main. Et toute la journée, il regardait sa main pour savoir si le nègre ne l'avait pas déteint. Puis il y avait les bateaux mouches sur la Seine. Hier, j'ai entendu qu'on allait rétablir comme moyen de circulation. Mais quand on allait à la Samaritaine, plusieurs fois, on allait prendre la station, c'était à Austerlitz, et on descendait juste devant la Samaritaine. On est allé plusieurs fois comme ça. C'était agréable. Quand il faisait beau, on allait jusqu'au Luxembourg. Mais autrement, et le dimanche, on sortait rarement. On sortait rarement. On allait au théâtre une fois pour le jour de l'an, et à Pâques, on allait au cirque. Et encore quand j'étais toute petite, parce que il n'y avait pas de cinéma encore. Les premiers cinémas, c'est en 1908 à peu près. On mangeait des oranges. À l'entracte, il y avait des marchands qui passaient des oranges. Je me rappelle, j'avais dit une fois, « Oh, ça sent l'entracte, ça !» Il y avait une odeur d'orange. Premier film qu'on ait vu. C'était l'assassinat du duc de Guise. Et mon père est décédé. Il est décédé le 27 juin 1914. Et nous sommes allés chez des amis dans le Nord, passer quelque temps jusqu'au 15 juillet. Et quand le 15 juillet, nous sommes repartis. Nous sommes partis avec ma mère, ma soeur et moi. Et puis mon frère et lui, ils venaient nous rejoindre pour prendre ses vacances sur le 1er août. Et puis le 1er août, le tocsin a sonné. Puis mon frère, qui est arrivé dans la nuit, dans le soir, il n'est revenu qu'un an après. Quand mon père faisait son service militaire, on tirait au sort. Et papa veut tirer un mauvais numéro. Alors il a fait 5 ans. 5 ans sans permission, sans rien. Puis alors à l'époque, il touchait un sou par jour. Papa avait tout de même, il avait fini comme avec un sergent d'état-major, quelque chose comme ça. Non.
Alors il avait dit, je ne veux pas que mon fils fasse 5 ans. Alors il avait fait engager pour 3 ans. Pour faire... Seulement, il est parti en 10, jusqu'en 1913, et puis il n'était pas libérable. Alors, le temps qu'il est revenu à la vie civile, ça n'a pas compté. Si bien qu'il a été mobilisé jusqu'en 19. Il savait qu'il a fait 9 ans. Le samedi, 1er août, à 4h d'après-midi, le tocsin a sonné. C'était pas gay, je vous assure. Et tous les jeunes gens qui étaient là, qui étaient venus en vacances, ils sont tous partis le lendemain. Les jeunes gens qu'on connaissait, ceux qui venaient, qu'on connaissait, il y en a qui ne sont pas revenus. Beaucoup. Un soir, en nous amusant avec des camarades, je me suis cassé une cheville. En luttant, en s'amusant. Alors j'étais à l'hôpital et j'y suis resté un bon moment. Alors ils sortaient presque tous les jours, les militaires qui étaient là, sauf un noir qui avait été amputé d'une jambe. Ce noir-là, il faisait partie d'un détachement qui partait vers le front. Dans la nuit, il s'est assis sur le bord de la porte, la portière était ouverte, il s'était assis là, il s'est endormi, il est tombé du train. Et alors ça fait qu'un train adverse lui a coupé une jambe. On n'était que tous les deux, et comme les lits étaient voisins, c'était un costaud grand, il allongeait le bras, il tirait le lit et il approchait du mot. Il voulait que je lui apprenne à lire. Alors j'ai commencé à lui apprendre à écrire son nom. Et puis il voulait bien étudier, apprendre à lire. Alors les camarades qui sortaient l'aimaient bien parce qu'il était très gentil ce type-là. Lui ont acheté un alphabet. Et alors ça fait qu'avec l'alphabet, après, je lui apprenais à lire. Mais c'est qu'il était très intelligent et puis il apprenait très vite. Alors il m'aimait beaucoup. Avant, il ne buvait pas de vin. On avait droit à un quart de vin au repas. Lui, il ne prenait pas son quart de vin avant. Mais 10 jours, je lui ai appris à écrire, il a utilisé son quart de vin. Et puis, il me disait, bois vite ton quart. Et alors, il changeait les quarts. Il prenait le vide et il me donnait le sien qui était plein. Ah. Alors, ça fait que je vais du quart de vin à chaque repas. On était au repos tout le temps, pour ainsi dire. Par exemple, on a été un moment à Lorraine. C'était un secteur de repos. Le front ne bougeait pas pendant peut-être plus de 6 mois. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Rien. Je vous dis, j'ai travaillé à faire ce briquet-là pendant un mois, peut-être plus de 2 mois. C'est fait avec des débris que j'ai ramassés au front. Là. Ça, c'est une. Elle était longue comme ça. Je l'avais coupé en deux pour faire le. Ça, c'est des cartouches de fusées éclairantes. Alors, j'avais trouvé ça. Et puis. Vous voyez, il y a le machin de percussion, c'est percuté ça. J'avais acheté ça dans la coopérative militaire, la molette là. Ça c'est du cuivre venant d'une cartouche en cuivre. J'ai eu du mal à l'arrondir. Et je faisais tout ça avec un couteau, la guiole. Et puis il a fallu que je soude une pièce. Alors là, vous savez ce que c'est? C'est une pièce de 5 centimes. Elle allait juste pour fermer, juste le diamètre. Je l'ai soudée à l'intérieur à l'aide d'une bougie et puis de la soudure que je prélevais sur les vieilles boîtes de sardines, des débris de boîtes de sardines à l'intérieur.
Mais ça m'a demandé pour faire ça, pour mettre tout ça au point, ça m'a demandé plusieurs mois. Il y avait des endroits que ça a duré si longtemps, les machins qu'ils avaient fait, on appelait ça des sapes, c'était des trous dans la terre, assez grands pour y coucher. Moi, j'aimais pas ça, parce que c'était pas étayé, et il s'agissait d'un bombardement pour se faire enterrer vivant. Alors moi, j'aimais pas ça. Alors je préférais m'appuyer le dos, je dirais pas au mur, mais enfin au talus, et puis enrouler dans la couverture et la toile de tente. C'était ce qu'on avait de mieux. Mon père, dans le courant de l'été 1918, il a été légèrement blessé, mais son masque à gaz avait été perforé par des éclats et il a été gazé très fortement. Et de là, il a été évacué sur l'hôpital du Mans, où il a eu, comme on dit, les soins nécessaires pendant de longs mois. Je crois qu'il n'y aurait encore même, à l'heure actuelle, aucun moyen pour le guérir. Aucun moyen. Parce que l'hypérite, le gaz, par lui-même, c'est un acide. Cet acide, il se propage insensiblement dans le sang, dans les viscères, un peu partout. Et il attaque tout, ou à peu près, mais essentiellement ce qui est viscéral. Au point de vue mental, au point de vue physique, il n'était pas attaqué. En 1919, il a été démobilisé, considéré guéri. Il s'est bâti sa maison, en même temps qu'il travaillait à la poudrerie, où il faisait les 3-8. Le travail était là. Mon père était plein de bonne volonté. Nous vivions bien. Nous avions, comme on dit, tout ce qu'il fallait à la maison, les légumes, la volaille, le cochon. Nous avions tout. Il n'était pas rare, comme on dit, que les parents, les oncles, les tantes, les cousins, cousines viennent à la maison pour la moindre des fêtes. On venait, on s'attablait. Il y avait tout ce qu'il fallait. En 1926, exactement à quelle époque, je ne me rappelle plus, il est tombé malade et il n'a plus travailler ni à la poudrerie ni sur les terres. C'est ce moment-là qu'on l'a envoyé passer au conseil de réforme à Bordeaux, où on l'a reconnu non pas comme malade d'effet du gaz, mais comme alcoolique. Il souffrait terriblement du foie, terriblement de l'estomac, des intestins, de partout. Tout ce qui était intérieur était, comment dirais-je, plus ou moins brûlé, plus ou moins attaqué, et automatiquement lui provoquait des douleurs insurmontables, qui l'empêchaient de faire quoi que ce soit, et même au contraire, l'inciter à faire des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Telles que, se débattre, se ficher, se jeter en bas du lit, se taper la tête contre les murs, trucs comme ça. Dès ce moment-là, les difficultés ont commencé. Il a fallu revendre le bout de terre qui était à proximité de la Jalle pour payer les hypothèques de la maison et puis se libérer des dettes. Tout a été fait. Quand le temps a passé, le mal a empiré, le mal a gagné de plus en plus. Et il ne pouvait plus, pour ainsi dire, se suffire à lui-même. Il était alité en permanence ou presque. Certains jours, il y avait des crises terribles. Il fallait comme 2-3 hommes pour arriver à le tenir sur place parce qu'il se serait jeté la tête contre les murs, il aurait fait n'importe quoi. Alors, on faisait appel, au voisinage pour
me donner un coup de main pour le tenir. Et puis, au mois d'octobre 1930, la mort est arrivée, il a disparu, et nous sommes restés comme seuls, avec ma mère, ma sœur, avec aucun moyen, ma mère ne travaillant pas, aucun moyen pour vivre. Moi, je m'engageais, oui, parce que j'avais mon frère qui venait de tuer aux éparges. Alors, vous savez ce que c'est ? On s'engageait pour le venger. Moi, j'avais pris 4 ans, comme beaucoup. On avait peur que sa fille se retourne quand on est jeune. Ah, c'est ça, engagement pour la durée de la guerre ou engagement pour 4 ans. On a une espèce de ratatouille comme ça. Là. Tantôt c'était chaud, tantôt c'était froid. Du pain, c'était dur. Du vin, il y en avait, mais quand il arrive allemand, on pouvait venir. Il y avait bien ce qu'on appelle les vivres de réserve. Mais c'était ça pour quelques heures, un jour. C'était pas comme dans un hôtel 3 étoiles. Ou même 2, d'ailleurs. J'en avais où il y a autant de terre que de viande. Les cuillers étaient à l'arrière. Et il fallait aller en ligne, avec la popote. Mais beaucoup de vous étaient tués, d'ailleurs. Alors, vous aviez la viande avec autant de cailloux. C'était des dépôts ovales, je me rappelle, non ? Mais c'est en tombant, le couvercle tombé, vous ramassez autant de cailloux depuis qu'il y en avait. Ils mangeaient ça comme ça, et il y en a qui mangeaient comme des chiens, avec les mains, il n'y avait pas de fourchette. Il y en a un, il n'avait pas de cailloux, il buvait dans un os. Dans un ? Un os. Un os. Il avait gardé un os, un gros os de bœuf, qui est creux. Alors, avec son bidon, il remplissait l'os et buvait. Oui. Je n'ai pas vu un cheval blessé, mort, moi, sans qu'il ait les fesses emportées. Ce qui s'est passé, c'est qu'on leur avait pris un vif sec. Ah ! Vous n'avez pas de chevaux morts qui n'aient pas les fesses emportées. L'artilleur ou le fantassin qui passait, hop, en couvre 4 ou 5 kilos. Et quand c'était bref. Hein. Vous savez, on n'avait pas de plume dans les trous, il n'y avait pas beaucoup de place pour écrire. Hein. Mais on écrivait quand on était à l'abri, là, quand on revenait. Tous les 10 jours, on reculait un petit peu, à l'abri, un kilomètre, si on pouvait. Alors là, dans une tranchée un peu plus tranquille, vous pouviez faire un mot. Mais le vague-messe, on n'arrivait pas tous les jours, quelquefois. Il s'est fait accrocher en rouge, lui aussi. On avait fait courir, et c'était vrai que ma mère était grandement malade. Alors, dans ce cas-là, on vous donnait une permission de 24 heures. Oui, 24 heures. Alors, le voyage ne comptait pas. Mais 24 heures, il fallait aller à la gendarmerie, la faire signer en arrivant, et la faire signer en partant. Et on s'arrangeait bien que ça fasse que 24 heures. Quelquefois, quand on était bien avec le maréchal du Roulis, c'est ce qu'il faisait pour moi, il le cachait, il mettait un jour de plus, ou un jour de moins. C'était le cachet des gendarmes, il n'y avait rien en arrivant. Mais on n'avait pas des permissions comme ça. Hein. Et moi, j'avais reçu un papier, que ma mère était très mal. Mais il y en a qui jouaient de ça aussi. Et après, il fallait y ajouter un certificat du docteur. Et alors là, je vous garantis que c'était pas gai pour le permissionnaire. Parce que vous savez, il y a des femmes qui vous sautaient au cou. Hein. Et pour avoir, vous parlez, hein, qui vient du front, non ? Alors que leur mari était ici, ou la fille, voilà. Alors il vous sautait au cul, vous ne pouvez plus respirer. C'était ça, invité partout. 4 ans, mais démobilisé alors, à Périgueux,
pendant au moins presque 2 ans. Alors là, on n'était pas dans les rangées. Et de quoi ? On était nos maîtres, je ne vois pas pourquoi ils nous gardaient comme ça. Moi, je prenais un cheval dans les écuries, je le faisais serrer, je n'allais pas venir la journée. On avait un maître, et pas tant, et on a fait 2 ans comme ça. On allait au bal avec les filles, bon, pas moi, parce que je n'avais pas dansé, mais des trucs comme ça, on avait passé 2 ans de rêve. Je ne sais pas pourquoi ils gardaient ceux qui avaient... La guerre était finie. Ah mais oui, mais ceux qui étaient pour la guerre sont partis, mais 4 ans, je l'ai fait 4 ans. Dans les Vosges, j'étais dans la section France. Les soldats qui étaient dans la section France ne prenaient pas la garde la nuit. Ils étaient destinés à faire les coups de main. À attaquer l'Allemand qui était en face dans sa tranchée, prendre sa tranchée, le faire prisonnier, ou le faire prisonnier, et prendre sa place. C'est ça l'attaque. Lorsqu'il y avait une attaque prévue, les soldats étaient rassemblés, on les mettait au courant de ce qu'ils devaient faire. On devait attaquer, faire son devoir, et revenir vivant si on pouvait. Oh, si, les officiers étaient bien avec nous. Et puis ils partaient avec nous. Vous comprenez, ils étaient avec le sabre et le revolver, ils partaient. Il sortait avec les soldats. C'est ça qui était beau. Oui, j'ai perdu beaucoup de camarades. J'ai perdu, en général, j'ai perdu des vrais camarades et tout. J'ai une dizaine au moins, 10 de mes camarades propres. J'ai un jeune camarade, il avait 19 ans. Moi, j'en avais 20. Il était de la classe 19, il s'était engagé pour la durée de la guerre. Un petit gars du milice. Ah, le capitaine m'a dit, tâche de faire un soldat comme toi. Alors il était avec moi, je l'ai conduit le mieux possible, on se rendait service les uns. Un soir, on était donc décidé à prendre cette fameuse voie, la ligne jaune allemande, c'est le dernier bastion qui restait en France. Je voyais qu'on était pris parce que les soldats arrivaient de tous les côtés. Je dis à mon petit gars, va-t'en. Il y avait encore une possibilité de partir de l'autre côté. Alors il m'a dit, non, je ne veux pas, je veux rester avec toi. Mais quand nous sommes arrivés devant une tranchée immense, un talus immense, c'était une voie de chemin de fer. C'était un talus de chemin de fer. On a monté sur ce talus et qu'est-ce qu'on a vu de l'autre côté ? Oui, l'ouvrage allemand qui était là, qui nous attendait, mais il y avait une rivière qui longeait la voie. Alors j'ai dit, mon petit gars, va-t'en, va avec les gens qui vont partir, parce que moi je ne sais pas nager, mais je vais noyer avec tout mon bardin. Il m'a dit, tu ne noieras pas, moi je sais nager, moi je te sauverai. Et puis il a été tué. Moi. Il a été tué. Oh, il a été criblé de balles. Oh, j'ai eu peur. Là, j'ai eu peur vraiment. J'ai été fait prisonnier, je crois que c'est le 25 septembre, et je suis rentré le 9 novembre. Je suis sauvé. Parce que on nous avait fait prisonnier, puis on nous faisait travailler dans les tranchées, ramasser les morts, les blessés, et faire leur travail. Les Allemands garder les prisonniers chez eux. Ils ne rentraient pas dans les camps chez eux. Alors, on faisait faire les travaux, ramasser leurs blessés, enterrer leurs morts, déménager leurs bazar, il fallait déménager. C'était sur la frontière franco-allemande, dans une petite chapelle qui était là. Et bien, j'ai fait l'imbécile. J'ai fait le malade. J'ai dit j'avais des coliques. J'avais mal, je voulais toujours aller au water. Alors il y a les feuillets derrière où vont les soldats. J'étais dans ces feuillets et je suis parti. Je ne suis pas rentré. J'avais un autre de mes camarades qui voulait le faire, mais il ne l'a pas fait. Il n'est pas venu avec moi. Il n'a pas voulu venir. J'ai dit, on va sortir tous les deux et puis on aura davantage de temps pour
on pourra peut-être l'un et l'autre travailler quelque chose pour... Il n'a pas voulu venir. Moi, je suis parti. Et une fois que j'étais sauvé, comprenez-vous, on l'a tiré sur moi, on ne m'a pas eu. Alors, j'ai foncé. Je marchais sur les Allemands qui s'en allaient, puis c'était la débandade. Alors, il fallait que je fasse attention pour ne pas rencontrer d'Allemands, parce que dans leur désarroi, ils étaient méchants. Je marchais la nuit. Je suis revenu retrouver mes camarades du côté de Mézières. Là. Oh, j'étais content. J'étais content d'être avec eux pour la libération le 11 novembre. J'ai eu de la chance. Je dis que j'ai eu de la chance. Hein. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre femme. C'est à Crane sur le plateau qu'on doit laisser sa peau.